L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe. Fini les pubs à chaque coin de rue, fini les affichages publicitaires. La ville de Grenoble va supprimer les 326 panneaux aujourd'hui présents dans son espace public. Au total, c'est plus de 2000 m² de pubs qui vont disparaître. Aujourd'hui, on sait que 75% des Français trouvent la publicité envahissante. Donc ça pose question quand même, surtout que la publicité aujourd'hui, le modèle économique de la publicité est à un tournant, arrive en fin de course, est à bout de souffle. Une promesse de campagne d'Éric Piolle qui a pourtant du mal à passer pour l'opposition. Aujourd'hui, la manne financière apportée par le contrat signé avec JC Decaux est importante. Un contrat qui prendra fin le 31 décembre prochain. Une renégociation était prévue et elle aurait abouti, selon la majorité, à un chiffre ne dépassant pas les 150 000 euros. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est une vérité, ce sont peut-être de mauvais négociateurs, mais la redevance, elle rapporte jusqu'au 31 décembre 620 000 euros. Cette équipe est en difficulté parce qu'y compris au quotidien, elle ne sait plus comment s'y prendre pour gérer la ville. Donc on sort le coup de com' national, on se paye un coup de com' sur le dos des Grenoblois. C'est un coup de com' à 600 000 euros, bravo. Un chiffre de 600 000 euros contesté par Éric Piolle et sa majorité. Selon eux, les pertes seraient bien moindres et surtout compensées par la baisse du train de vie de la municipalité. Problème, si des chiffres sont avancés, il semble impossible de fixer un véritable prix, la renégociation n'ayant même pas eu lieu. Les chiffres dont parle la ville, ce sont des projections, des estimations. S'ils avaient eux-mêmes relancé un marché, ils pensent, avec des études qui leur sont propres, que nous ne connaissons pas, ils pensent qu'ils auraient obtenu au mieux 150 000 euros. Mais pour cela, il faut lancer un marché et savoir quelle sera la redevance proposé par les candidats, nous ne le saurons jamais puisque la ville a décidé de ne pas relancer de marché. En 2007, Sao Paulo avait également fait le choix de bannir les affiches publicitaires de son espace urbain. 5 ans plus tard, la ville brésilienne fait machine arrière et signe en 2012 un contrat de 25 ans avec JC Decaux.